Mais il connaît le nombre qu'il appelle chaque endroit. Chaque endroit, il a les noms. Mais ils sont tous changés. To get all these things, all the lies they tell us. That sacrifice that Abraham did, Abraham was watching it because bears are trying to come and carry it. That you cannot find in Europe. You cannot find anywhere done any sacrifice and bird came and come and take it now. There's no bird. Is it ego? There's no ego. Which ego? C'est ego que tu vas trouver en Babylon. Babylon n'est pas ego. Ego aussi ne va pas où il y a les péchés. Et où il y a abomination. C'est pour cela que c'est un oiseau spécial. C'est pour cela que Yah, la Bible a choisi ego. C'est un oiseau qui sanctifie lui-même. Et les gens ne savent pas. Il monte dans le ciel, profondeur là-bas. Il va à l'intérieur de le ciel aller rénover lui-même. C'est lui le seul oiseau qui fait ça. Et c'est lui le seul oiseau aussi qui voit loin. C'est cela que le symbole que John il a vu sur l'autel de Yah, et Daniel aussi, je pense, Jérémie aussi, Ézéchiel aussi, sont vus, il y a ego. Ego, c'est un animal spécial. Comme il a choisi aussi lion. Il n'a pas choisi un autre animal. Il a choisi aussi lion. Lion, c'est un animal aussi spécial. Lion, il a sa tradition. Si tu ne sais pas. Lion, il a sa tradition. Il y a que lion qui, quand il a marié, quand il a pris sa femme, si un autre, s'il a vu sa femme avec un autre lion, tu vas voir comment il va te manger. Il a aussi sa tradition. Il n'y a que lion qui enlève ses enfants comme la famille. Et il protège sa territoire. Tu as vu, il a sa tradition. Il protège sa territoire. Si tu viens, même si tu es un autre lion, tu essaies de rentrer dans son territoire, il va te montrer que tu vas lui dire qu'est-ce que tu viens chercher dans sa territoire. Qui t'a invité? Il a sa tradition. Donc, le Seigneur pour choisir tout cet animal, il sait. Il va regarder les caractéristiques, tu vas savoir qu'ils ne sont pas n'importe quoi. Alléluia. Amen. So that's why you have to learn. If you go and study, ego is not anyhow bad. It's not anyhow bad. No. That's why you can't see him in Babylon. He doesn't go where there is abomination. He doesn't like abomination. That's why you cannot find ego in Babylon, the land of Babylon. You can't see ego flying all around. No. Because Babylon is an abomination land. Hallelujah. Amen. That's why also Elohim choose eagle. He choose lion. The lion you are seeing in Babylon is stolen from where they call Africa. It's not Africa. The Lord don't call it Africa. It's the Greek Empire and Roman Empire and all their lies they used to call it. They put Africa. It is not by Elohim. Elohim have names he gave to everywhere. Hallelujah. Yah soit glorifié. Amen. So, they change everything. No lion. Même lion, tu n'es pas voir lion à Babylone. Tous les lions que tu vois ici, c'est volé. Il aime la vol. Champion de la vol. Que Yah soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur a dit à Abraham, voici. Après, quand il a venu pour ce sacrifice, après, c'est une alliance. It's a covenant. What Abraham did there in Genesis chapter 15, it's a covenant. That is the covenant that connects you and I, that make you and I to be identified as his children of Yah. It's a covenant.
Genèse chapitre 15, verset 10. Abraham prit tous ses animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Verset 12. Il a abandonné les chasser. Il dit, driving away the best, I want to come and eat what he prepared for Elohim. Verset 12. Uh-huh. Au coucher du soleil, uh-huh, un profond sommeil tomba sur Abraham. Oui, parce que Yahvé est venu maintenant. Il ne veut pas qu'Abraham le voie, il fait des dormir. Et voici qu'il fut assailli par la terreur, mm-hmm, et une grande obscurité. Okay. Verset 13. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants... Sache que tes descendants, Abraham, know you that your descendants, uh-huh, seront étrangers dans un pays. They will be in captivity in a strange country. Strange qui ne sera pas à eux. That is not of them. Uh-huh, allez-y. On les réduira en esclavage. They will become a slave in that strange land. Et on les opprimera pendant 400 ans. Okay, they will suffer there for 400 years. Verset 14. Cependant, mm-hmm, uh-huh, la nation dont les païens dont ils seront esclaves, in that Gentile nation that they are going to be slaved, c'est moi-même. It is me. Qui le jugerai. It is not any government. It is me. C'est moi-même. C'est pas le n'importe quel état ou le nom. Et le groupe européen ou n'importe quoi qui va intervenir pour les faire sortir, pour les délivrer, qui va les juger. Non, c'est moi-même, Yah. Hein? Et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Ça, c'est le premier esclavage en Égypte. Alléluia. Amen. This is the first slavery in Egypt. Alléluia. Amen. Qui était aussi très très chaud. Alléluia. Amen. Which was also very very hard. Hard. Ok. Ça c'est le premier. Après ça, allez-y. Verset 15. Mm-hmm. Quant à toi, after that, tu iras dans la paix. Uh-huh. Rejoindre tes ancêtres. Uh-huh. Tu seras enterré après une heureuse. Abraham, hear me. After this, you will be in joy. You will rejoice your ancestors. Your ancestors. That ancestors is talking about there is Adam, Eve, Enoch, Manelala, Noah, all of them. Because Adam even see Noah. Adam no Methuselah. I mean to say Abraham. Abraham know Noah. Abraham live with Methuselah. Tu as vu? Quand le Seigneur dit va rejoindre ses ancêtres, il ne s'est pas un menteur. Mm. Abraham, mm, il connaît Noé. Oui. Abraham, il a vécu avec Methuselah. Mm. Donc, il connaît son grand père. Donc, c'est pas. Les gens qui vont rejoindre, c'est pas. C'est pas comme nous, nos ancêtres qui sont péchés, mourus dans le péché. C'est le Seigneur qui parle de ses ancêtres qui sont mourus dans le Seigneur. Ils sont en repos dans le Seigneur. Alléluia. Il dit va les rejoindre. Verset 16. Go on now, in verse 16. Ce n'est qu'à la quatrième génération. After four generations. Ça veut dire que cette prophétie n'est pas faite. C'est là-bas que mon œil a ouvert. Pasteur, va étude. Après quatre générations. Ça fait dire que Abraham, après ta disparition, que tu as parti, c'est pas encore fini pour ta descendance. Tu as vu? Abraham, hear this. After you have gone, fourth generation et quatrième génération, une génération peut être, pour le Seigneur, il connaît le nombre, il peut être 100, il peut être. Yah, il sait le nombre, comment Yah il calcule les choses, c'est pas comme ça que nous on calcule. Sauf que si il te réveille ça. So, what you understand in generation, one generation, two generation, how Yah calculate his own generation, calculate his own things, his own number is different from our own. And unless he reveal it unto you. Hallelujah. Allez-y.
quatrième génération qui reviendra ici. After four generations, they will return back here, ici. Car la faute des Amoréens. Car la faute des Amoréens. Attends, l'Amoréens, c'est là qui a trompé tous les gens. Va chercher l'histoire des Amoréens bien. The Amorites. You see, this is where everybody, Satan deceived everybody. The Amorite is who? Go and search for the history of the Amorite. You will know who these people is. You will see that their history fall upon the Europeans. And I'm not telling you lie. I lie. Fall upon the so-called Americans, Europeans that is there. The children of Japhethite. Hallelujah. Amen. The generation of Esau. Va étudier l'histoire des Amorites. Tu vas trouver que les Amorites, ils sont des Européens. Tu vas trouver que les Amorites, ils sont des enfants de Japhet. Tu vas trouver que les Amorites, ils sont des générations de Esaü, qui est Édomite. Tu vas trouver ça. Va fouiller bien. Va et tout bien. Alléluia. Amen. Il dit, car le péché n'est pas encore fini. Fini. Car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Because the sins of the Amorites is not yet over. So that is why Elohim is going to allow his children to do nonsense. To bring them back into the punishment of the Amorite. That means Elohim is using his children, is punishing his children, at the same time, using them also to complete the judgment of the Amorite. The Amorite, me, I place it America. It starts from AM. There also is AM. Hallelujah. Amen. Moi, j'ai appelé les Amoris, les Américains. Parce que quand tu vois cet mot, il a commencé par A-Am. A-Am. Amérique. Amorite. Le Seigneur ne ment pas. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que moi, j'ai traduit pour moi. Alléluia. Amen. Le péché n'est pas encore. Complet. Donc, ça veut dire que le Seigneur a dit de faire des choses. Il sait que ses enfants vont aller servir à idole. Donc, il a préparé les Américains. Il sait qu'il va faire tout ça. Il sait parce qu'il connaît les choses avant que ça arrive. Donc il sait qu'il va faire tout ça. Donc il punit ses enfants pour ça qu'on a fait. Mais il utilise les Amoriques pour punir ses enfants. À le même temps aussi, il utilisait aussi ses enfants aussi pour faire que le péché des Américains, que ça soit complet. Qui signifie que le temps qu'il va commencer de sortir ses enfants dans la main des Américains, il va continuer aussi de punir les Américains pour tous les méchants. Donc, des choses, il va passer en même temps. Alléluia. Amen. Parce que c'est toujours aussi, quand il a dit de sortir les enfants à l'Égypte, le même temps aussi, la punition de l'Égypte aussi, c'est le même temps. Ses enfants sont sortis, les Égyptiens sont souffrir. C'est la même chose. Le peuple de Yah est sorti dans le Babylone Europe, Babylone américaine et l'Amérique est en train de tomber. L'Europe est en train de tomber. Et le peuple de Yah est en train de quitter. Alléluia. Amen. C'est un mystère. Amen. C'est le signe que tu dois connaître, pasteur, bishop. Verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Vous avez déjà lu là-bas. Ok, allez-y. Verset 18. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant. Ok, ça va. L'alliance, on a déjà fait. On a déjà écouté ça. Le signe. Vous connaissez celui que nous sommes. Amen. Alléluia. Amen. Marc 13. Let us read Marc 13. Let us go to Marc 13. We are seeing the sign. That sign is telling us who we are. You that are still doubting,
we are still arguing. I want to ask you a question now. What Mark is saying, Yeshua is the one talking here again. You will be hated by all men. So, Pastor Bishop, you will tell me who are the race on this earth that is well, well hated. That is the sign. That's one of the signs. Eladi does that Mark 13:12-13. Vous serez détesté, vous serez haï par tous les hommes de cette monde. Donc, Pasteur Bishop, je veux que tu répondes à cette question. Qui est parmi les races de cette terre, parmi de toutes les races de cette terre, qui est la race qui est très, très haï dans cette terre? Pasteur Bishop, vous ne connaissez pas celui que vous êtes. Le Seigneur vous a donné tout le signe pour connaître celui que vous êtes. Quelles tribus qui sont haïs par tout le habitant de cette terre? Which tribe that is mostly hated on this earth? He said you will be hated for his name's sake. It is we that are keeping that name. Babylon don't serve Elohim. Babylon don't know. They don't know. They are the one who changed his name and call him God. They are worshiping their own marine kingdom, marine spirit. They call it God. They are not serving Yah, Yahusha, Hamashiach. They will hate us because we maintain that name. They kill our people. They slaughter them because they decide to keep the Torah. And today they are doing it. Idi vous sera haïs par tout le monde, tous les hommes. Tous les humains de cette terre. Et vous, à cause de quoi mon nom? Son nom là, c'est quoi? C'est pas Dieu. Babylone ne savent pas Yah. Babylone ne connaît pas Yahusha. Babylone, c'est eux qui ont changé cette terre. Non. En train de savoir, les dieux. Baal. C'est pour cela que Babylone, ils ont tué tout notre people qui voulaient maintenir le nom de Yah et Savu sous le Torah. On l'a tous gorgé en train de prendre, jeté dans le feu, les brûler. À cause de quoi? Le nom de Yah. Jusqu'à aujourd'hui, Babylone nous déteste quand on prononce le nom de notre vraie créature. Créateur. Alléluia. Amen. Aide-moi à aller là-bas. Il dit, vous serez détesté. Si vous, quelqu'un est là-bas. Marc chapitre 13, verset 12. Mm-hmm. Vous serez haïs de tous mm-hmm. à cause de mon nom. Uh-huh. Mais celui qui persévérera. Mais il a dit, mais si on peut persévérer. Jusqu'à la fin. Dans le racisme, si on peut persévérer. Et on continue de persévérer, non? Mm. Malgré tout le racisme, on a dit de persévérer. C'est pas ça? Oui. Racisme, c'est la haine. La haine. C'est la persécution, c'est la haine, c'est déteste, mépriser. C'est lui qu'on appelle raciste. Donc, dis-moi, pasteur, quelle race dans ce monde qui sont dans le racisme? Pourquoi vous ne connaissez pas la vérité? Hein? Malgré que vous êtes nationalité de France, vous êtes là, vous êtes esclavagé, votre parent, tout, notre parent, ils sont là depuis, travailler, fait tout pour être membre de leur pays. Toujours, nous sommes méprisés, haïs, racistes, tout. Pourquoi? C'est Yah qui a déjà dit ça. Il sera comme ça jusqu'à il va venir nous sauver. Amen. C'est le signe pour connaître celui que tu es. So, on ne discute pas ça. Celui qui a discuté ça, il est. Je ne sais pas comment je vais l'entendre, je vais l'utiliser pour toi. Donc, le travailler, il y a un frère le matin qui est en train de discuter. Quand il lui pose la question là, il a dit c'est vrai. C'est vrai. Donc, je lui ai dit, mais pourquoi tu discutes avec moi? Après, ça qu'elle a dit maintenant, il dit, c'est OK. Ça veut
Ça que tu as dit sur la vérité, si Dieu peut faire, nous nous faire sortir des dons, c'est bon, hein? C'est pour cela que je te dis, va dans les vraies églises. Cherchez l'église, comment aller. Je n'ai pas dit que tu verras où que je suis. Hein. Cherchez le vrai, où qu'on va te renseigner la vérité. Il dit, merci que tu connais, tu sais que tu es. C'est toi, c'est ton race qui est que le monde fait le racisme contre, déteste, glorifier. Il y a pour ça. Et c'est pour cela que tu dois maintenant aller chercher où que tu vas écouter la vérité pour connaître celui que tu es. Amen. Tu as perdu ta connaissance. Il dit, oui, mais c'est ça qu'ils ont fait contre nous. Hey, mais tu dois récupérer ta connaissance. Yeah, il a venu pour maintenant que nous on récupère notre connaissance. Amen. That's what I told somebody in my working place. He doesn't know. When I ask him this question, when I take him to this place, I show him this mark. After we talk about it, and I ask him, who among all the race of this earth that are mostly hated as Elohim? Yeah, it's Yahusha that is talking here. That said it, that we are going to be hated by all men. All men means there, both women and men, everybody. They will hate us. For his name's sake, for keeping Torah, for saying the truth, for saying no to LGBT, you are hated. For saying no to lesbian, homosexual, you'll be hated. For showing them Leviticus that Elohim say, I will stone you. You must stone that person dead. You'll be hated. Tu as vu? On va nous haïr à cause de quoi? Parce que c'est nous qui connaissons le Torah. C'est nous qui va leur dire non. Il dit à cause de mon nom. Son nom c'est quoi? La sainteté. La sainteté c'est quoi? Quand ils sont en train d'introduire LGDP, tu es ton Torah dans la main. Tu dis non, le Torah n'est pas dit ça. Notre Yah n'a pas dit ça. Il dit, tu es qui? Tu es lui, mais il est en prison. Tout ce qui critique cette loi, il va aller en prison 6 mois avec 6 000 de héros. Tu as vu Babylone? La haine. On nous haït à cause de sa parole, son nom, la vérité. Homosexuel, lesbienne, c'est pas dans notre institut, on ne peut pas accepter ça. Tout le président d'Afrique qui dit ça, on les sanctionnait. Banque du Monde dit on ne les donnait pas l'argent, on ne les prêtait pas l'argent, on va mettre la difficulté sur les pays, obligatoire, ils vont accepter ça qu'on a dit. Parce que quoi? Ils sont des luciférienne. On va nous haïr. Donc, c'est pourquoi tout le pasteur là ne voit pas tout ça. Quelqu'un, il va vous expliquer quoi encore. Il a dit, tout le signe, c'est là. Que le peuple de Yah, ils sont négros. Détestés partout dans le monde. Prends l'avion pour aller en Chine. Tu vas voir, pour eux-mêmes, c'est très... On peut te tuer et te... Les gens là, pour eux, ils mangent les humains. Il y a le restaurant de la chair des humains. Avant que les gens connaissent ça, qu'ils sont en train de passer, tu es déjà dans le mamiti. On t'a déjà mangé pour venir leur dire qu'ils ne doivent pas pratiquer tous les bêtises là. Tu as vu? C'est des pitiés même en Afrique qui est en train d'ouvrir le porte pour les gens là. Mais Yah, il sait ça qu'il a en train de faire là-bas. Il sait ça qu'il a en train de faire. Alléluia. You see? We are the people that are much hated. We are not, look, we are not, see, let me tell you something. We are not, this is not message of racism. If you call it racism, it's there for you. Racism have been there, right from, we have been racist. We are born in it. He said, Yeshua said, if we can endure, we are enduring the racism so much. But
it's a painful thing that their own will be triple times when their own, when the Lord will turn it, he's going to turn it. We, our own is almost over. But the Bible says the Elohim will save the rest, the little that rest upon us. He will save us. But their own is coming. The table is going to turn. If you are Babylon, if you are American Babylon or European Babylon or whatever you are, your own is coming. It is in the, go and read Isaiah 14 from verse 1. Your own is coming. It is said in everywhere in the Bible. Yah is coming back. Remember, he told Abraham, he said he will come back to that country. Hallelujah. Amen. Donc, ne peut pas dire, nous message qu'on a dit des prêcheurs, c'est pour cela que la Bible ne va pas nous haïr. Pourquoi? Quand tu as dit de dire la vérité, Babylone avec les gens qui marchent avec Babylone, il va te détester à cause de lui, à cause de moi. Oh, non. Son nom, c'est quoi? La vérité. Son nom signifie la vérité, la sincérité, la justice. C'est son nom. C'est pas raciste, c'est pas le message de raciste. Quand tu parles de raciste, les négros, ils sont déjà dit donc depuis longtemps. On a déjà habitué de la raciste. Alléluia. On a déjà habitué. Mais la parole de Dieu doit rester dans la vérité. Que si vous n'êtes pas repenté, ça que nous on vous parle, c'est repentez-vous. Et vous aussi, le noir, ça qu'il y a le noir qui sont des Japheth, qui sont des Idomites, qui sont des Amoriens. Il faut comprendre ça, c'est pas tout le noir qui sont des Israélites, des Ya. Alléluia. Donc c'est pas tout. Il y a les enfants de Japheth, il y a les enfants de Cham. Il y a que le lien de Sem. Qui sont le peuple de couleur de Yah. Et c'est cette tribu de Sem que Yerusha il a sorti. Il n'est pas mélangé les sang. Et c'est les gens qu'il a donné cette Torah pour expliquer à les enfants de Japheth et les enfants de Cham pour leur repentance. C'est nous qui avons le custodien de Torah. Les autres sont l'étranger. Donc, si tu es nous en train de... Il voulait mélanger avec eux, qui signifiait que tu es de soit Japheth ou Cham. Ça te regarde là-bas. Alléluia. Amen. Peut-être tu es de Issaou, Idomite. Ça te regarde là-bas. Tu vas discuter. Tu vas critiquer. Tu vas dire que tu ne suis pas Afrique, tu ne suis pas ça. Mais c'est le langage d'Afrique qu'on nous a appelé. C'est pas ça que notre papa il a utilisé pour nous identifier. Papa dit dans le livre d'Apocalypse, je connais votre nom. C'est pas ça qu'il a dit. Oui. Donc ça veut dire que le nom que tes parents même t'appellent et tout ça, c'est pas le nom que Yah il a dans sa main pour toi. Il dit je connais ton nom. Il a dit là, il nous a donné un nouveau nom qui est écrit dans cet caillou et tout. Il a donné chacun. Il connaît notre nom. Le nom de Babylone qu'on t'a appelé, c'est pas ton nom. Sylvester, c'est le nom de Babylone. Ce n'est pas mon nom. Yah, il connaît mon nom. Peut-être c'est le nom que mon papa, mes parents, il m'a donné. C'est ça que le Seigneur reconnaît. Le vrai nom, qui est le nom de Hébreu. Alléluia. Que Yah soit glorifié. So don't let them deceive you. There is true deception. We are operating inside deception. There is a sign. We have sign to know the true children of Yah. I don't know what you are arguing. The Negro, not every Negro. There's Negro Japheth, there's Negro Cham. They are the people that are fighting the Shamites.
The Jamites are the true Hebrew Israelites. And the Lord have the covenant with them. And through Hebrew, Shamet is where Yahusha came out from. Abraham, all of them were Shamet. And the Lord keep that lineage. He never let that lineage to be polluted. Other ones are polluted. So don't need to. These are signs. One of the signs is we shall be hated. And we are hated everywhere. Even in your country, the Igbos are hated. By the so-called, they are so-called Nigeria, they mix together. They hate them too much and they don't know that they are the Judas. They are the Judah tribe, the Judah tribe. They are hated. Whenever position gets to their hand, it will be changed. That is the biblical prophecy of Deuteronomy 28. Whenever promotion reaches you, they change it. It is that part of hatred and racism. You will be hated by all men. It's a sign to know who we are. Hallelujah. Men father in Nigeria, the tribe the Igbo, kiss on the tribe, who fear the Judah, the tribe the Judah, is on très, très high. But the people in Nigeria aussi, les Hausa, les Yoruba, qui sont ménagés, les Babylons sont tous ménagés avec les enfants de Japhet, avec les enfants de Cham. Ils détestent cet groupe parce que quoi? Cet groupe, depuis que je connais la tradition de cet groupe, de cette tribu de Igbo, c'est le tribu qui n'est même pas marié à notre tribu. Parce que c'est dans la Bible. Vous les reconnaissez. Il n'est même pas marié à notre tribu. Quand tu as marié à notre tribu, on te voit que tu as déjà perdu. Tu as sorti au milieu de nous. Même si il vient t'assister dans cette mariage, tout le monde va. On va aller. Mais notre frère là, notre soeur là, il a déjà perdu. On l'a perdu. On l'a déjà perdu. C'est le signe. Deutéronome 7, il dit, vous ne devez pas marier, ne laissez pas vos enfants de marier un étranger. Sinon, il va les corrompre, il va les faire de quitter devant moi. Gardez votre lien. Gardez votre tribu. In Deutéronome 7, it is only the tribe of Igbos that keep most of the biblical ordinances, they keep it. Because when you come into marriage also, the Bible warns us that we should not marry from another tribe. Israel, don't marry another person that is not Israel. You will lost. Deuteronomy 7 said it. Your children, don't allow them to marry from another tribe. If not, so those women will take them away. They will be lost. They will get out of my plan, my program, my project. And it's only us that keep it. When we see any of our brother or this marry outside, we have lost it. It's in our place, you will see all those signs. But where are they today? They are busy worshiping idols. Money. The signs. Signs, it's everywhere in the Bible. We are being hated everywhere. Racist everywhere. Racist in your own country. Racist everywhere you go, racist. Upon all the colonial, all the slavery, they gave you nationality, they gave you everything, our fathers have done in the land, they gave you passport, gave you everything, they said they also accept you. Upon that, there is still racism upon your nationality. Don't you see it? Don't you see that these people of color, they are the real people? Don't you see the biblical? Don't you judge what is happening with the Bible? Your philosophies and theology are blinding you all. I pity all of you that are still in those churches. Until you begin to ignore the truth, that's only where the veil that Satan have used to cover us, deceive us, will begin to fall away. May the Lord help us. Help us. May the Lord help us.
connaître la vérité. On était détesté partout. Oppressé. On nous a oppressés. La Bible dit, Zacharie, elle, ils sont assis sous la tête de mon peuple. Et Israël ne peut pas élever leur tête. Ce n'est pas comme ça que nous sommes. Qui est cette race aussi qui sont donc comme ça? Qui est cette race qui est comme ça, qui sont comme ça? Malgré notre richesse, va à Afrique. Afrique, il est là-bas. Il n'y a pas tout. Ils sont en train de marcher comme ça. Malgré toutes les richesses, personne ne peut pas parler. Le président ne peut pas parler. Si un président est élevé contre un assassin direct. On discute tout ça encore. Qu'est-ce qu'on discute? Il y a le signe partout. We are arguing. What are we arguing? The science is everywhere. Zechariah 1 says, look at Israel is scattered. Judah is scattered. Everyone is scattered. He said these people, they are sitting upon. He said that a horn, that a horn, that a Babylonian horn. Sitting upon his people that we cannot lift up our head. We have all the riches. We have oil. We have everything. Elohim, give us everything. Go to Africa. Everywhere. They call themselves president, but today are suckers of Babylonia Enos. Enos. They are sucking their Enos. We cannot lift up our head. Now Elohim is raising the carpenters to fight them. Some people does not know what the carpenters are doing because they don't know their scripture. Val Afrique. Beaucoup de présidents d'Afrique qui sont dans le pédophile, qui sont dans le homosexuel, qui sont dans le LGDP, qui sont dans le immoralité sexuelle et tout, qui les apprend tout ça, c'est Babylone. Ils sont toujours là-bas en train de sous-sous et non sous de Babylone. Il n'y a pas quelqu'un qui peut voir la vérité. Si même il voit, il ne peut pas dire ça parce qu'ils sont oppressés. Babylone assis sous les têtes. Quelle tribu, quelle race qui est toujours dans cette affaire? Et tous les pasteurs qui disent qu'ils ne voient pas ça. Parce que vous êtes aveuglés avec théologie et philosophie, avec l'argent que vous avez reçu dans la main de Babylone. Il y a le signe partout. Yah, il nous a expliqué tout. C'est pour cela que Yah, maintenant, il a élevé le charpentier. Charpentier en train de faire le travail, les autres en train de dire n'importe quoi contre cette charpentier. Charpentier. Tu ne vois pas dans les scriptures que Yah a dit, je vais élever le charpentier qui va les frapper pour libérer mon peuple. Et vous ouvrez la bouche en train de dire n'importe quoi. Poutine n'est pas encore commencé. Non, il n'est pas encore commencé. Open their mouth and talking jargons. Poutine have not started. Attends, on a dit de parler quelque chose. J'ai dit de parler quelque chose avec quelqu'un. Okay. Maintenant, Poutine, il a dit de dire les pasteurs, les choses que le pasteur doit dire qu'il n'est pas dit. Bientôt, Poutine va vous arrêter. Tout le faux pasteur là, c'est Poutine qui va vous prendre main dans la prison. Parce que il va lever comme vous, il va dire, c'est vous qui êtes en train de tromper le peuple de Dieu. Vous avez rejoint avec Babylone en train de tromper le peuple de Yah. Arrête-les, tout. Freine-les l'église. Il arrive. Il reste vous. Alléluia. Amen. That's where he's coming now. He's coming to show all of you these churches that are deceiving the people of Yah, that is not want to tell them who they are, that joining Babylon to deceive them and tell them that they are not the people of Yah. Putin is coming to show you, arrest you. Don't worry. He will raid every one of you, one by one. Lu Hindama, making merchandise of the people of Yah. He's coming after you. Yah will raise him to deal with every one of you. That is a sign of the people, to show the people. Even the Babylon know who you are. All the Babylon president know the true people of Yah. If you don't know it now. Because they are Nephilim, they know. Tous les Babylon, le président de Babylon là, il connaît le vrai people de Yah. Il connaît. Mais il ne peut pas vous dire.
Il sait, parce qu'ils sont Nephilim, ils connaissent le peuple de Yah. Alléluia. Amen. Et que Yah soit glorifié. Amen. On va voir, je vais vous montrer un endroit avant. On va retourner dans l'Apocalypse. Apocalypse 12. Let us go back to Revelation chapter 12. But we finish, we close there. Regarde ça qu'il a dit. Lis-moi à partir de 15 ou à partir de 16. Apocalypse 12. Apocalypse chapitre 12, verset 15. Yeah. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve. We are reading Revelation chapter 12. We read from verse 15. Comme un fleuve derrière la femme, mm-hmm, afin de l'entraîner par le fleuve. Uh-huh. Verset 16. Yeah. Et la terre secourut la femme, mm-hmm, et la terre ouvrit sa bouche, mm-hmm, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. C'est ça qu'il va lui faire. Quand on va parler, il va nous attaquer, il va essayer pour nous arrêter avec la loi. La loi, toute la loi que tu as de voir dans les sorties là, c'est pour nous arrêter. Alléluia. Amen. You see the action of dragon there. It is all the laws they are throwing right now. Those laws is to make us not to go, to stop us. That is the law. That is the attack of Lucifer. But will we go? Yeah, is going to be. Remember, I told Abraham by his mighty power, mighty hand. On va sortir. Yah, il va nous faire sortir. Rappelle que la promesse qu'il a dit à Abraham, il dit par ça. Mais puissance, il va nous faire sortir. Amen. Il dit, c'est lui qui va faire ça. C'est pas n'importe qui ne va pas faire ça. C'est lui. Alléluia. Allez-y, let's go on. Verset 17. Mm-hmm. Et le dragon fut irrité contre la femme, uh-huh, et il s'en alla faire la guerre, uh-huh, au reste de sa postérité, okay, à ceux qui gardent les commandements de Yah, okay, et qui ont le témoignage de Yah, okay, et il se tint sur le sable de la mer. Ok. Amen. Now, get this. Écoutez ça là bien maintenant. Hear this very well. You see what the Satan is going to do? The departure of the woman. That is the true Hebrew Israelite, the true wife of Yah. We are going to leave Babylon, whether you like it or not. We are leaving Babylon. As all this loss, we will begin to run away. We will go run back and get back to our true land. Alléluia. Amen. Écoutez ça bien. Obligatoire, on va sortir à Babylone. Cette femme, c'est nous, Israélites de Yah. On va quitter Babylone. On va échapper. Yah, il va nous garder. Il va nous faire sortir. Alléluia. Amen. Mais Yah, il m'a fait comprendre que le reste que tu as vu là-bas, ils sont le reste qui n'est pas prêt pour quitter. Ils sont le reste. Comme on a dit de parler, ils ont dit c'est le mensonge. Ils sont le reste qui l'aime Babylone trop. Ils sont le reste qui ne veut pas laisser le système de Babylone. Il veut continuer avec Aressa. Continuer avec tout le système de l'argent qu'il reçut en Babylone. Tout le marque, toutes les choses que Babylone va introduire, il va prendre ça. Comme ils ont pris le vaccin et tout, il va prendre. Pour continuer de vivre bien, mais il ne sait pas qu'ils sont déjà finis. Ils sont dans le problème. You see what is happening there? Those ones that left are those ones that are wise. Rappelle qu'il a dit, il y a le sage. Tous qui sont sages, il va quitter. Il va écouter la voix de Yah, il va quitter. Those ones who are wise will leave, will depart Babylon. So, but those ones who are saying it's a lie, it's not his name, c'est pas son nom, on connaît que Jésus, c'est son nom, qui va dire c'est pas son nom, toutes les choses que le Seigneur a en train de réveiller, il va dire, il dit non, non, non. Every one of them that say no, no, all the things that Elohim is revealing, they say no, no, no. They are even attacking us that is speaking the truth. They are even working against us. They are rising up against all this truth. They are the ones that will remain. As many are traveling, coming back to Babylon, while others are going,
Others are saying, another place I must go. Comme en Afrique, il y a les gens qui ont été repartis, qui ont été retournés, il y a les autres qui ont été dit que obligatoire je vais aller en Europe, en Babylone, en Amérique et tout. C'est eux qui vont rester donc. C'est le verset 17, non? Oui. Qui va souffrir. Il va penser que c'est pour prier qu'il va les sauver. Il va penser que parce qu'il connaît le nom de Jésus qui va les sauver. Il va penser qu'il ne sait pas que Yah, il respecte sa parole plus que son nom. Ça qu'il a dit que ça va arriver. Obligatoire, ça va arriver. Alléluia. C'est le signe. Prépare-toi même. Les vrais enfants de Yah, en train de prépare maintenant, en train de prier, prépare. On va retourner. Le Seigneur va nous conduire dans notre terre. C'est lui qui va nous diriger. Mais plus pas qu'il est en train de douter la vérité là, il va souffrir. Parce que quand on a parti, c'est le temps, hein, parce que toute la loi qu'ils sont en train de faire maintenant, ils sont en train de préparer l'arrivée de Antichrist, anti-Yahusha. Donc, quand ça arrive à un point, Yahusha, il va nous faire de quitter. Mais tout ce qui est en train de douter va rester. C'est eux qui vont payer très cher. Il va commencer de regretter. Il va chercher à quitter. La porte est déjà fermée. Le temps là, il va faire la loi. La loi que pour même trouver l'avion pour aller où que tu voulais aller, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Parce qu'il va maintenant clôturer le frontière. Il va dire qu'ils ont déjà perdu beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont déjà partis. Et pour l'économie, il veut que les gens nous viennent. Les gens qui restent maintenant ne peuvent pas quitter. Cette loi arrive. Il va arriver. Il va bloquer tout. Alléluia. Amen. That's what they are going to create very soon. A law is going to come out that is going to block. You cannot travel. You cannot leave the Babylon. You can't go. Babylon, America, Babylon, Europe, Babylon. You cannot depart from it. Those one who have escaped and go, that is the woman. That's what he's saying there. Yah is going to lead his children out of Babylon. Those one who refuse to go, who are doubting this truth, who are doubting this message, who are doubting what we are saying, they will be here. They will pay. They will suffer. Satan will massacre them. Unless you drop anything concerning Yah. Les gens qui vont échapper et les gens aussi vont recevoir la marque de la bête. C'est tout ce qui va dire, ok, il dit tout ce qui garde le témoignage de Yahusha. Donc, c'est les gens qui vont dire, je ne vais pas. Je vais accepter votre marque, votre condition, tout ça que vous avez dit, je vais accepter tout. Parce que le temps là, c'est le temps que tu ne peux pas acheter. Toute la loi là maintenant va sortir. Tout va sortir. La plupart de cette loi, ils ont déjà fait ça. C'est déjà en cachette. C'est seulement pour commencer de lancer ça un par un. Alléluia. All this law, that time is the time. He said, those who keep the commandment, the testimony of Yah, they are going to deal with them in Babylon. The real ones have gone. The women have gone. They are going to exile. Where Elohim is taking them to is an exile. Because there is also some African country that is going to work with Babylon. So it's not everywhere. There's all African leaders. I'm going to work with Babylon. But Elohim is coming to deal with them. All this is a sign. It's here right now. So don't let anybody deceive you. Même quand on va partir, à titre d'aller dans ce terrain que le Seigneur nous a promis en Afrique, il y a plus pas, c'est pas tout le pays d'Afrique. Il y a les autres présidents d'Afrique qui vont travailler avec Babylon. Donc, il dit, cette femme, il va fuir, aller dans l'endroit de cacher. Donc, on sera seulement un lieu de cacher. Yah lui-même, il va nous protéger, cacher. Ça sera notre gauchant de cette génération aussi.
Alléluia. Amen. Que Yah soit glorifié. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Thank you, Abaya. Amen. Thank you, le roi des rois. Amen. Donc, c'est comme ça que ça c'est là. Tout ce qu'il est en train de douter là, ce qu'il est en train d'attendre, c'est très terrible. Il ne peut pas même mentionner le nom de Yahusha. Tout ça qu'ils sont fait sous notre ancêtre, en Rome, espagnol et Portugal et ici en France et tout, que cette position arrive, il va retourner, il revient sous tous qui ont été joués avec la vérité. Alléluia, ça va arriver. C'est le temps que il va commencer bien encore. On va leur dire, tu rejettes Yahusha, ou tu veux Yahusha, ou si tu acceptes lui, on te coupe, on te tue maintenant. Ou tu acceptes notre religion. Après qu'ils sont déjà introduits, une religion du monde. Donc, c'est cette religion qu'on va vous introduire maintenant. Si tu acceptes notre religion, tu vives. Mais si tu veux continuer avec Yahusha, la mort, il va commencer à accepter et sous les religions du monde. Que Yah soit glorifié. Amen. Mais remember, let me tell you, you know that they have already one world religion. Many of you in Nigeria don't know about it. One world religion. When I'm talking to you, I will tell you, you don't even know anything. They are just living there, living like a blind people. They go to church, their pastor don't tell them. All these pastors that don't even tell others, they don't know that they are satanic. That's Revelation chapter 12, verse 17. Many of you, they will force you, you become one world religion. And if you refuse it, they will kill you. They will take away the name of Yahusha from your mouth. And you will belong to one world. That's the only way you can be able to buy and sell. It's a mark of the beast. Those women, the true children of Yah have gone. Yah have led them out of Babylon by his own mighty power. It's going to happen. Be very careful. Let's be on our feet. Faites très attention. Soyez très, très vigilants. Ils sont là. Alléluia. Amen. Thank you, Yahusha. Que Dieu, notre Père, soit glorifié. Amen. Lève-nous. Puissant guerrier, portant les combats, Yeshua est son nom. Yeshua est son nom. Yeshua est son nom. Yeshua est son nom. Yeshua est son nom.